pour un temps spécial, un programme spécial. Et ça fait, je peux dire pour moi, ça fait 15 ans que je n'ai pas parlé de couple, mais c'était mon repas. Mon repas, quand bien même que je n'étais pas marié, j'enseignais tout jeune, parce que ça fait partie de mon ministère. Je sais que vous ne serez pas déçus. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Voilà, ce moment, c'est un moment très, 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 très capital. Que le Seigneur veut visiter les cœurs. Le Seigneur veut visiter les âmes. Le Seigneur veut visiter les âmes. Dieu veut restaurer les couples. Par cet enseignement, je crois et je confie qu'il y aura quelque chose qui va se passer. Est-ce qu'un couple est avec moi ce soir? Je vous vois très 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 beau, belle. Et j'ai compris que l'église a vraiment des couples qui fréquentent. Et que j'en suis fièrement béni. Mais avant de commencer, je vais faire qu'on pose un acte qu'on n'a pas peut-être l'habitude de le faire. J'étais là, vous dansez, mais moi, le Seigneur me faisait traverser des choses. Des couples qui sont, mais qui ne sont pas. Les deux tourtereaux, les couples de pigeons, qui marchent ensemble, mais qui ne sont pas de cœur. Je vais m'introduire pour dire quelque chose. Notre thème, c'est le mariage est une institution divine, mais en jeu de tous les combats. Ça veut dire quelque part, en d'autres mots, le mariage ne vient pas de l'homme. Et comme ça ne vient pas de l'homme, le diable ne veut pas voir ce mariage. De la même manière que le diable ne veut pas voir l'église, c'est ainsi qu'il milite. Il fait tout son possible que ce mariage n'existe pas. C'est ainsi qu'il ne te plaint pas. Non, ne défile pas les regards inquiets. Quand tu trouves que dans ton mariage il y a les combats, parce que c'est ça même la détermination du diable. Le mariage en jeu de tous les combats, mais une institution divine. Vous allez me permettre, ça c'est l'enseignement des couples. Je me sens très à l'aise parce que j'étais à l'aise sans même être marié. J'enseignais ces choses. Je suis vraiment dans mon eau, dans mon bain. J'ai des mots appropriés pour que le couple retrouve la délivrance. C'est ça même la mission de cette rencontre. Que ton couple vive. Oui, que ton mariage vit. Que le diable le veille ou pas, ça vive. Je voulais qu'on fasse un petit exercice. Un petit exercice. Qu'on nous lise d'abord Genèse chapitre 2. Qu'on commence au verset 25. Qu'on descend jusqu'en bas. Je vais arrêter l'autre lecteur. Homme de Dieu,
Toi, Mungu. Viens t'asseoir ici, pardon. Wewe, ukujo keti uku, tafazali. J'aime bien te voir. Napenda nikuone. Ça me fait bien quand je te vois et quand vous lisez en vous voyant. Inanifanya vizuri nikikuona ukiona soma. Ça c'est pour que nous soyons de tic au tac. Ili tukue haraka haraka. Mm-hmm. Genèse chapitre 2, le verset 25, vous descendez. Mwanzo sura yake ya pili, mstari wa 25 na shuka. Nous lisons la parole du Seigneur. Mm-hmm. Nous allons commencer au verset 24. Mm-hmm. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère. Et s'attachera à sa femme. Et s'attachera à sa femme. Et mm-hmm. ils deviendront une seule chair. Et ils deviendront une seule chair. Na watakuwa mwili mmoja. L'homme et sa femme étaient tous des nus. Mwanaume na mwanamke wote walikuwa utupu. Et il n'en avait point honte. Il a wakuwa na haya. Nous acclamons d'abord cette partie de la parole. Vous restez debout. Unabakia wima. Écoutez ce que la parole de Dieu me dit. Sikia mbona neno la Mungu linaniambia. Que l'homme, c'est pourquoi l'homme quittera. Ndio maana mwanaume atamwacha. Son père et sa mère baba yake na mama yake pour s'attacher à sa femme. Ili ambatane na mkewe. Et le verset qui suit dit na ceci. Na shuka inasema hivi. L'homme et la femme étaient tous des nus. Na mke na mwanaume wote walikuwa utupu. Mais ils ne se rendirent pas compte de cela. Ila wakuwa wanagundua kwamba ils avaient pas honte de leur nudité. Hawakuwa na haya ya utupu wao. Nous allons comprendre cette nudité après. Tutaelewa utupu hiyo baadaye. Le verset 15. Mstari wa 15. L'homme de Dieu va nous lire. Il est écrit. Oui. L'esprit de l'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden mm-hmm. pour le cultiver et mm-hmm. pour le garder. Le Seigneur Dieu prit l'homme. Il le classa dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Avant que l'homme de Dieu ne continue, je vais un peu commenter à ça. Je vais dire à quelqu'un, le mariage ne vient pas d'une pensée de l'homme. Le mariage n'est pas un produit d'un souci de l'homme. Quand nous allons lire, vous allez comprendre quelque chose. Mais cette chose a expliqué seulement une intention. La Bible me dit, quand Dieu créa l'homme, il le créa avant que la femme ne soit. Mais il créa l'homme femme. C'est-à-dire dans l'homme il y avait la femme. Mais elle n'était pas encore sortie. La femme n'était pas encore visible et palpable. Mais elle avait comme origine l'homme. C'est-à-dire quand Dieu regardait l'homme, il voyait l'homme femme. Dans son sein il y avait la femme. Et la Bible dit, l'Éternel, il créa l'homme, il le plaça dans le jardin d'Éden. Quand Dieu a pris l'homme pour le mettre dans le jardin d'Éden, il avait seulement une pensée. Dieu se disait, je vais mettre à côté de toi un être spécial, une personne spéciale. Alors pour l'avoir, tu dois le mériter. Pour avoir cette femme-là, elle n'existait pas. L'homme ne les connaissait même pas. Elle était cachée mais dans l'homme. Dieu dit ceci, Adam, je vais satisfaire ton appétit avant même que tu ne les présentes. Je connais les intentions. Avant même que tes intentions ne soient, je t'avais pris en charge. Et Dieu dit, il fait quoi? Il fait le jardin d'Adam. Et la Bible dit, il prend Adam. Il dit, je vais t'examiner. Je vais t'éprouver. Si tu seras à même de garder la personne que je vais mettre à côté de toi, Dieu lui donne un chambre. Dieu lui dit, garde ce jardin. Cultive. Wende kuitumika na ulinde. C'est deux verbes. Hiyo vitu viwili. Nasema mimi. Que Dieu a dit à l'homme. Ambao Mungu aliambia mtu. Je vais te donner une surprise. Nitakupatia kutokea ghafla. Je vais vous
voir ta maturité. Nitaona koma kwa ko. Je veux comprendre si tu seras à même. Nitarelewa kama nawe utaweza. C'est une épreuve. Iye nakuwa kupimo. C'est un examen. Iye nakuwa mtihani. Tu réussis à cet examen. Ukiweza kwa mtihani. Je continue l'œuvre que je devais faire. Kasi ambayo ningelifanya. La Bible me dit. Biblia inaniambia. Il donna à Adam. Akapatia Adam. L'exercice. Kasi. L'examen. Mtihani. De cultiver. Ya kulima. Qui a déjà fait un champ comme moi? Nani amesha kufanya shamba kama mimi? Qui a déjà fait un champ? Nani amesha kufanya shamba? Tuko bachache. Nous sommes moins nombreux. Vous autres là. Mwingine wewe. Hamu comprendre champ. Vous ne comprenez pas les champs. Il y a pas dur labeur. Hakuna kazi ngumu. Que de cultiver et garder un champ. Kulima na kutunza shamba. Quand tu ne prends pas soin d'une terre. Wakati hautunzi udongo. Elle te produit de mauvaises herbes. Ayo inakuletea matunda ya maani mabaya. Quelqu'un est avec moi là. Mutiko pamoja nami. Oh, ça c'est l'enseignement de mbona boku muko hivi. Alléluia. Vous êtes comme ça. Oh, alléluia. Amen. Quand tu ne prends pas soin. Wakati utunze. D'une terre. Udongo. De ton champ. Ya shamba yako. Même si tu avais planté. Hata kama ulipanda. La semence que toi tu veux. Mbegu ambayo litaka. Les fruits que toi tu veux. Matunda ambayo unataka. Tu ne viens pas veiller. Haukuja kukeshea. Tu ne viens pas garder. Haukuja kuitunza. Tu seras surpris. Na utatokewa ghafla. Les mauvaises herbes finissent toujours par naître. Majani mabaya inatokea. Quelqu'un est avec moi. Mtiko pamoja nami. Maintenant Dieu dit alors. Sasa Mungu anambia mwanaume. Je veux que tu gardes ces champs. Napenda utunze hiyo shamba. Que tu veilles. Na ukeshe. Parce que dans le jardin. Katika ustani. Il y a les fruits qui serviront. Kuna matunda yataweza kufaidia. À ta survie. Kwa kuishi kwako. À ta santé. Kwa afya yako. À ton bonheur. Na kwa heweri wako. À ta paix. Na kwa amani yako. Alors tu dois cultiver. Lazima ulime. Non seulement le cultiver. Hapana tu kulima. Tu dois le garder. Lazima pia uitunze. Le garder veut dire. Kuitunza ni kusema. Tu dois le protéger. Lazima uikinge. Protéger veut dire. Kuikinga ni kusema. Tu dois veiller. Lazima uikesheye. Quelque chose de mal y arrive. Ni kitu ambaye ambaye anakuja. Amen. Le preuve. L'examen. Mutiani. Que Dieu a donné. Ambao Mungu alimpatia. Avant que Eve ne vienne. Kabla awa ya jaja. Il est vrai. Quand on lira la suite, je voudrais qu'il nous lance un peu la suite jusqu'au verset 33. Ça va me donner les commentaires. Verset 16. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Amen. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable. L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel. Et il en fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait. Et afin que tout être vivant portât les noms que lui donna, que lui donnerait l'homme. Et l'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel, et à tous les animaux des champs. Mais pour l'homme, il ne trouva point d'aide semblable à lui. Amen. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme, qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à la place, à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, voici cette fois celle qui est l'os de mes os et chair de ma chair. Nous acclamons le Seigneur. Oh, acclame d'abord le Seigneur. Acclame Dieu. C'est lui qui avait pris en compte les soucis de l'homme. Merci au Dieu. Vous pouvez vous asseoir, je vais vous importuner. Écoutez, il y a une pensée. Quand je n'ai pas vu là où Dieu avant de créer, avant de dire qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul, précédé par les soucis de l'homme. Je ne sais pas si c'est quel verset là. Le verset de dire
Il n'est pas bon que l'homme soit seul. A précédé les soucis de l'homme. Il y a un verset vers le bas qui dit, l'homme a commencé à donner les noms des bêtes. Mais il n'a pas trouvé une tête semblable à lui. C'est après que Dieu ait déjà pris les soins de penser de créer une aide pour l'homme. Est-ce que quelqu'un est arrivé là où je suis? Donc je voulais seulement nous enlever le pensée qui circule dans nos prédications que la femme est un fruit du souci de l'homme. Non. Même avant que Dieu ne dise qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul, Dieu avait déjà pourvu au sexe. Mungu aliweza tayari kuandaa mwanamke. C'était avec ou sans souci. Ilikuwa bila wala kuwa na haja. La femme devrait être. Mwanamke lazima angekuweko. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Sijui kama mtu yuko pamoja nami. Je ne sais pas si c'est le 23e verset. Sijui kama shairi ya 13. La Bible dit, on jeta à l'homme un profond sommeil. Wakampatia mwanaume usingizi mkubwa. Il s'endormit. Akalala. Et Dieu est venu. Na Mungu akaja. Il tira une de ses côtes. Akatoa ubavu moja. Il amena cette côte. Akabeba hiyo ubavu. Il forma ce qu'on appelle femme. Akatengeneza wanayemuita mwanamke. Le Seigneur prend la femme. Na Mungu akachukua ile mwanamke. Il l'a fait passer devant l'homme. Akampeleka mbele ya mwanaume. L'homme se réveille de son anesthésie. Mwanaume anaamuka katika usingizi. Contemple. Anatazama. C'était une aide. Anasema kitu semblable à lui. Ambaye namfanana. Et le premier mot qui est sorti de la bouche de Dieu. De l'homme katika kinywa mwanaume. C'était la poésie. Ilikuwa ni kutapa. Je bénis mon père spirituel. Nabariki baba yangu wa kiroho. Mon père spirituel. Baba yangu wa kiroho. Un juif qui me disait. Muyahudi alikuwa ananiambia. Le mariage. Ndoa. A été inauguré par un poème. Ilianzishiwa na maneno mazuri. Le premier mot du mariage. Maneno ya kwanza ya ndoa. Commence par des poèmes. Inaanza na maneno mazuri. Le mot doux. Maneno les phrases douces. Matulivu maneno matulivu. Bien rimé. Ambayo inapangwa vizuri. Et regarde seulement là où vous aviez commencé. Tazama tu pale mlianzia. Des paroles que cet homme vous disait. Maneno ambayo mume alikuwa anakuambia. Ma femme elle est là. Mke wangu iko hapa. Elle a gardé toutes les lettres et tous les textos que je l'écrivais quand on était ensemble. Alitunga kila mabarua yote na ma message nilikuwa namtumia. Nikutobole. Alléluia. Amen. Je demande la permission, sinon à la maison sera. Quelqu'un est avec moi là? Oui. Dio. Elle ne comprenait pas. Hakuelewa. Je sais rimer. Najua kupanga maneno. Je sais rimer. Najua kupanga maneno. Alors mon père spirituel me disait. Le mystère du mariage. Siri ya ndoa. Les premières phrases du mariage. Neno ya kwanza ya ndoa. Commence par un poème. Inaanza maneno matamu. Mais la suite. Lakini kiendeleo. C'est en prose. Pause. Inakuwa qui ont fait pause. Les poèmes comme moi? Nani mwalifanya prose poème. Ça veut dire prose ni kusema des paroles maneno qui ne suivent plus le rythme ambao ayende kwa msimamo tena qui n'ont plus de qui ne trouvent plus leur place ambao aipata de fasi yake tena. Est-ce que quelqu'un est avec moi là? Tout au début là. Mwanzo, ma poupée dorée. Tu es celle qui fait sécher les larmes du soleil. Quand tu marches, c'est comme un serpent. Inakuwa kama nyoka. Qui est en train de monter sur un arbre. Anatembea kwenye mti. Sans se blesser. Bila kujiumiza. Tu es celle qui me fait parler en langue. Wewe ambaye unanisemesha kwa lugha. Le Saint-Esprit n'est pas sur moi. Hata kama roho takatifu iko juu yangu. Tu es celle qui produit des gémissements. Même quand je ne souffre pas. Hata kama siungu. Tu es cette eau qui tarit mon cœur. Unakuwa maji ambayo natuliza moyo wangu. Oh ma femme. Ah utulivu wako mke wangu. C'est celle qui me pousse à travailler pour toi. Tu es la seule personne. Uko mtu wa mmoja tu. Auprès duquel je trouverai ma résurrection. Ambaye nitafufuliwa kazi yake. Si le ciel me ferme. Kama mlimwengu unanifungiwa na baraji yangu itakuwa wewe. Oh alléluia. Amen. Là l'homme parle. Hapa mwanaume anasema. Parce que c'est le début du mariage. Sababu ni mwanzo ya ndoa. Le premier mot du mariage. Maneno ya kwanza ya ndoa. Que la femme avait entendu. Ambapo mwanamke alisikia kutoka kwa Adam. C'était cette louange. Ilikuwa ni hiyo sifa. Tu es cette eau. Wewe uko hiyo maji. De mes os. Tu es la chair. Uko mfupa mfupa wangu nyama yangu. Les blessés allaient plus loin. Akaenda mbali. Pour dire je comprends par cette parole. Kwa hiyo maneno. Que la femme n'a pas de parents. Kwamba mwanamke ana maneno. Seul l'homme a des parents. Mwanaume ye peke ndo anakuwa na maneno.
La femme n'a pas de parents. Ceux qui t'ont mis au monde, ce n'est que le canal. Parce que la Bible me dit, tu n'es pas sorti de ton père et de ta mère. Wow, la Bible me dit, c'est du corps de l'homme que tu es sorti. Donc je comprends par là que tes propres parents, par héritage, c'est les parents de ton mari. Je sais que je vais choquer. Mais au nom de Jésus, je vais choquer. La femme, tu n'as pas de parents. La femme, tu n'as pas de père. La femme, tu n'as pas de mère. Dans la pensée de Dieu, de la création, tu es soutiré de l'homme. Donc les parents de ton mari, ce sont ceux-là tes parents par héritage. Ceux qui t'ont mis au monde, ce sont des pères nourriciers et des mères nourricières. Ou kata le witi que c'est comme ça. Est-ce que quelqu'un est avec moi là? Je voulais qu'on fasse un petit exercice. L'exercice du commencement. Moi j'ai 10 ans de mariage. J'ai 10 ans. J'ai d'autres habitudes quand je vais le perdre. Mes enfants me les rappellent. Mes enfants me les rappellent. Des fois, on peut être là, je suis fatigué. Je viens avec l'accumulation du travail. Je m'assois. Je prends la télécommande pour suivre les informations parce que ça fait partie de mon travail. Nous avons une partie qu'on appelle Okapi chez nous. Vous devez décrire, chacun a une branche d'information qu'il doit donner pour informer l'autorité. Je suis en train de défiler. Tu vas voir mon fils, Messi, il vient. Messi, hey, ça ne va pas vous dé là. Ça fait longtemps que vous ne vous êtes pas embrassé. Hein. Ousso. Alléluia. Amen. Il avait déjà fait. L'homme de Dieu était là. L'homme de Dieu dit, oh, ouais. Non, mais bien, non. Petit. Ouais, il y a un civil. Bah, il y a un civil. L'enfant vient réclamer ce qu'il ne voyait pas. Il dit, non. Ah, ça va pas, hein? Ça fait longtemps que vous ne vous embrassez pas. Ce n'est pas le Chibindji. Aïko Chibindji. Comme Chibindji chez les Balouba. Ce n'est pas les Chibindji. Aïko Chibindji. Moi j'ai dit, ah tu veux quoi? Moi je veux que tu embrasses maman. Et il appelle ses soeurs, venez. Papa va embrasser maman. Je prends ma mère, ma femme, je la mets sur moi. Je leur ai dit, allez mettez les chronos. Ni Zambi, ni film pour adultes. Mon banane hivi ça mon courant hivi. Alléluia. Amen. Oh, je l'embrasse. Elle s'acclame. Oui, papa, vas-y. Courage, papa. Courage. J'ai fini de l'embrasser. L'enfant me dit, ah mais oui, hein, c'est comme ça. Ah, je me dis, non, ces enfants alors nous observent. Est-ce que quelqu'un est avec moi là? Alléluia. Amen. Il y a des phrases que tu as prononcées longtemps. Depuis le jardin. Tu l'avais dit seulement. C'est l'os de maison. C'est la chair de ma chair. Il ne s'y a pas. Le reste qui suivait, c'était des paroles en prose. Des paroles blessantes. Des remarques blessantes. Tu ne vois plus la beauté de cette femme que tu as mis à côté de toi. Tu ne vois que les défauts sur elle. La femme là où elle dit, est-ce que c'était une erreur de trouver cet homme? La femme commence à calculer. Auprès de mes parents, j'étais très bien. C'est pourquoi j'ai commencé par te dire ceci. Tu n'as pas de parents. Tu n'as pas où aller. Je voulais qu'on fasse un petit exercice. Ce petit mot doux là. Que tu avais longtemps dit. Les petites remarques des paroles anciennes. Que tu avais prononcées une fois.
Je voudrais que tu regardes un peu celle qui est à côté de toi. Chérie, moi je vais te regarder devant les gens. Approche-toi. Regardez-vous. Regarde celle que Dieu t'a donnée. Vous êtes heureux quoi? Papa Pierrot, on a laisse d'abord à écrire. Approche-toi ici. La spiritualité, elle est dans l'amour. Elle est dans le couple. Alléluia. Amen. Oui, il peut s'approcher à côté Caribia. De sa dulcinée. Caribou, Oui, vraiment. Mm. Heureusement, on a compris. On a compris. Heureusement, on a compris. Mon prévoyant. Alléluia. Amen. Regarde un peu celle que Dieu t'a donnée. Contemple-la. Mangalie. Alléluia. Amen. Papa Kazadi. Où est-ce armé? Musa Kazadi. Où est-ce armé? Voilà. Ah, en tout cas. Là, je comprends maintenant. Alléluia. Amen. Tendez un peu la main vers son épaule. Tendez un peu la main. Serre-la contre toi. Ebwana. Mon caribiche, mon pépé. Même les rangs mon vieux. Papa Pierrot, Sogeya. Serre encore. Distanciation sociale, quoi. Il n'y a pas de distanciation sociale. Il n'y a pas de Covid ici. Il n'y a pas de Covid là-bas. Alléluia. Amen. Mouzeti Yemba Mawa. Mouzeti Yemba Uruma. Jésus est à côté de lui. Mungu Yesu ko karibu yake. Jésus est à côté de lui. Yesu ko karibu yake. Oui. Ndio. Contemple cette femme que Dieu t'a donnée. Mwanamke ambaye Mungu alikupatia. Regarde la beauté que le Seigneur a approché tout près de toi. Ambao Mungu alikaribisha karibu yake. Est-ce que tu peux la dire encore ces paroles dedans? Unaweza kumwambia le maneno tena? Tu peux la dire un peu ces paroles dedans? Unaweza mwambia le maneno ya botani. Les premières paroles qu'elle avait entendues de ta bouche. Ambao alisikia kutoka kinywa yako. La Bible dit ce n'est pas la prédication. Biblia inasema haiko mahubiri. Ce n'est pas le parler à la. Haiko kusema kwa lugha. Ce n'était pas une révélation du Saint-Esprit. Haiko kufunua wa Roho Mtakatifu. Mais c'était les paroles du cœur. Haiko maneno ya moyo. Les paroles de l'étonnement. Maneno ya kushangaza. Où l'homme a regardé, il a dit. Mwanamke aliangalia. Ça c'est la chair de ma chair. Ça c'est nyama ya nyama yangu. Ça c'est l'os de mes os. Et il a commencé à parler d'autres choses que la Bible était a mis fin de nous parler. Est-ce que tu peux un peu la vanter? Continue un peu à la vanter, s'il te plaît. Continue un peu à la vanter. Regarde là dans les yeux, fixe-la dans les yeux. Continue un peu à la vanter. Tu sais que je t'aime beaucoup, je t'adore. Oui, quand je dis je t'adore, même Dieu sait que je t'adore. Alléluia. Est-ce que tu parles un peu plus loin là? Tu peux faire la faire bisous? Ce n'est pas un péché. Ce n'est pas un péché. Alléluia. Amen. Non, ce n'est même pas un bijou saint ça. Ce n'est même pas un bijou saint. Ça, c'est le bijou. Il est ni bousso. C'est la partie qui vient de toi. Il y a ces moments là. Mouzé Joseph. Mouzé Youssouf. Mère Azate. Maman Aiko. Ah, yope. Ah, oui, na oui. Yope, Mouzé. Oui, na oui, Mouzé. Alléluia. Amen. On continue encore. On va faire trois fois un peu de bisous. Peut-être que ça fait longtemps que tu l'as fait. Non, on peut le faire. Tu n'es pas trois fois. Maratatu. Acclamez pour vous-même. Alléluia. Amen. Acclamez encore, acclamez. Shangilia tena, shangilia tena. L'oreille de la femme. Elle est faite pour écouter les louanges. Elle est faite pour écouter l'adoration. De oh, ce n'est pas un péché. Quand tu composes les chants pour Dieu, et aussi tu composes pour ta femme. Na non, parce que elle est une partie de toi. Elle n'est pas provenue de quelque part. Elle est venue de toi. Ndani yako je voudrais peu qu'on avance avant qu'on fasse d'autres choses. Le problème, le secret du jardin. Alors, comme l'homme n'avait pas un modèle du mariage, parce que Jésus, lui-même en venant, il n'a pas pris une femme, mais il a pris
pris une femme. Lakini alichukua mwanamke. Jésus en venant yes, sur la terre. Duniani, c'est lui qui devrait nous montrer le modèle. Il n'a pas pris une femme. Akuchukua mwanamke wa kike. Mais il a pris une femme. Lakini alichukua mwanamke. Sa femme qui est l'église. Et il nous montrera comment nous pouvons aimer la femme. Un musicien a chanté. Que Jésus, qui était Dieu, ambali kwa Mungu, il ne s'était pas marié. Akuowa. C'est pourquoi nous tâtonnons dans notre amour. Ndio maana tunatangatanga katika ndoa. Ce musicien là, c'est faux. Nikamwambia huyo muimbaji bongo. Jésus avait pris une femme. Nasema Yesu alikamata mwanamke. Pour laquelle Christ est mort. Ambaye Kristo alifia. Pour laquelle Christ a souffert. Ambaye Kristo alitesekea. C'était son église. Ilikuwa kanisa lake. Nous allons comprendre ces choses. Tutaelewa vitu hivyo. Alors les hommes, wanaume, ils voulaient définir le mariage. Walipenda watunge na kufanya ndoa. Je sais qu'il y a des juristes ici. Na yuko kuna watu walifanya sheria. Écoutez ce qu'ils ont dit. Sikia mbali sema. Que le mariage, kwamba ndoa, c'est une union de deux personnes. Ni mkutano ama ungano wa watu wawili. Sous quoi? On dit quoi? Sous les régimes, puisqu'il y en a beaucoup, sous les régimes différents. Kulingana na mipango ama kanuni tofauti. C'est un contrat. Inasema inakuwa ni patano. C'est une union. Inakuwa muungano. Or pour le Seigneur, le mariage n'est pas une union. Kwa Bwana ndoa haiko muungano. Le mariage, ndoa, c'est ça même l'homme accompli. Ni yule mutu kamilifu. Je voudrais que vous me suiviez par les mots. Nilipenda munifuate kwa maneno. Parce que union de deux personnes. Sababu muungano watu wawili. L'homme peut s'unir à un autre homme. Mwanaume anaweza kuungana kwa mwingine mwanaume. C'est pourquoi nous avons vu en Europe. Ndio maana tunaona kwa Ulaya. Il y a les hommes qui se marient entre eux. Kuna wanaume wanaoa wao kwa wao. Parce que les blancs a défini le mariage. Kwa sababu wazungu wao. Comme étant l'union de deux personnes. Ndoa ni mkutaniko watu wawili. Wawili hawa. Les gays. Ah, wale washoga. Les gays, washoga, ils se marient entre eux. Wanaoana wao kwa wao. Parce qu'on a défini le mariage. Sasa wali tafsiri ndoa. Comme l'union des deux personnes. Kwamba ni muungano wa watu wawili. C'est même une vidéo. Niliona un ministre à l'époque. Ministre, je ne sais pas si c'est allemand. Waziri wa Allemagne. Il s'est marié à un autre homme. Alioana na mume mwingine. Sarkozy était là. Na Sarkozy alikuwa. Qui Macron était là. Na Macron alikuwa. Ils sont allés wakaenda célébrer le mariage des deux hommes. Ya watu wanaume wawili. Les deux représentants des institutions. Wakilishi. Ils sont là, ils sont venus avec des fleurs. Wakilishi wa serikali wakakuja maua. On a demandé à Sarkozy. Wakamuuliza Sarkozy. Écoutez Sarkozy. Sikia Sarkozy. Je suis très content parce que mon frère vient de se marier. Na furahi kwa kuwa ndugu yangu anakuja kuoa. Vous comprenez que le mariage a une autre définition. Alors, pour le Seigneur, Bwana, le mariage ce n'est pas l'union des deux personnes. Sio mungano, parce que wili. Celle qui est à côté de kasa toi, ce n'est pas une étrangère que tu es allé chercher. Est-ce que quelqu'un me comprend? Ce n'est pas une autre personne que tu es allé trouver. C'est une partie de toi qui était cachée quelque part. Kwa nafichwa, nafasi que le Seigneur avait enlevé de tes côtes. Kwenye il est allé le développer en dehors de toi. Kutengeneza il est allé le développer chez les personnes que ta femme appelle parents. Akaenda kutengeneza kwa watu ambao mke wako anaita wazazi. Comprends cette révélation que je dis. Quand Dieu a soutiré une côte, wakati Mungu alitosha ubavu, Adam ne connaissait pas. Adamu hakujua. Quand il est parti le développer, alienda kutengeneza. Adam était dans les profonds sommeils. Adamu alikuwa kilala. C'était loin du corps d'Adam. Ilikuwa mbali na mwili wa Adam. Là où Dieu est allé développer la femme. Mungu alienda kutengeneza mwanamke. La Bible me dit, il l'a pris après avoir fini. Akamchukua kisha kumaliza. Il l'amena maintenant auprès de l'homme. Et quand l'homme a regardé, wakati mwanaume aliangalia, il a su dans son cœur qu'il n'y a pas d'autres parents ici. Akuna donc ça c'est l'os de mes os. C'est la chair de ma chair. Ni nyama ya nyama elle ne provient pas d'une autre famille. Atoke kwa jamaa ingine. Elle provient de moi. Anatoka ndani mwangu. Donc c'est une partie de moi ni sehemu yangu. Que je dois aimer. Ambo lazima nipende. Que je dois chérir. Ambo nipende sana. Que je dois chouchouter. Lazima nitape sana. Pour laquelle je mourrai. Ambo nitakufa pour laquelle je travaillerai. Na nitatumika. Les scientifiques, scientifiques veulent chercher d'autres mots. Walitafuta ngine maneno. Dans les contrats de mariage, katika mapatano ya ndoa, il y a le mariage quand nous partons à la commune. Wakati tunaenda huko kwenye serikali. Nous on avait fait quel, on avait souscrit à quel type de mariage? Tulifanya régime gani? Communauté. Muchanga. Non, nous rappelons communauté. Muchanganyiko. Communauté universelle. Des biens. Il y a les hommes écoutez, avec une intention derrière. Après communauté universelle des biens, il y a quoi encore? Kisha yo kuchanga vitu? Pardon?
communauté réduite aux acquis. Communauté réduite aux acquis, c'est-à-dire quoi? J'étais vu, on s'est marié, mais j'avais ma maison et ma voiture. Ces choses-là, c'est pour moi. Toi aussi, quand j'étais trouvé, tu avais ta boutique à toi. Ces choses-là, c'est pour toi. Mais nous sommes ensemble, mais ces choses-là appartiennent à l'un, mais pas à l'autre. Vous comprenez déjà comment est-ce que l'Éternel insinue une pensée? Est-ce que quelqu'un est avec moi là? Déjà, il veut te montrer que celle qui est à côté de toi, elle n'est pas sortie de toi. Elle n'est pas de ta famille. Est-ce que quelqu'un bénit par cette petite parole? Alléluia. Amen. Et la troisième main, c'est... séparation des biens. Kutenganisha vitu. C'est-à-dire, kusema, la femme peut développer ses affaires. Mwanamke anaweza fanya biashara yake. Ses affaires. Na mwanaume anaweza fanya biashara yake. Nous sommes ensemble. Tuko pamoja tunalala pamoja. Le salon là m'appartient. Lakini hiyo chumba ni yangu. Et toi tu dis aussi. Na unasema pia. Le téléviseur là l'écran. Na ile là, c'est pour moi. Runinga kubwa ni yangu. Le jour de notre séparation. Siku ya kutengana kwetu. Chacun a sa liste. Kila mtu anakuwa na orodha yake. Qu'est-ce que le diable a mis? Les choses que nous avons reçues de nos parents. C'est le verset que nous venons de lire. On nous dit ceci. Dieu créa l'homme. Quand il finit à créer l'homme, il dit qu'il n'est pas bon que l'homme reste seul. Je lui ferai une aide semblable. Une aide semblable. La Bible dit, le Seigneur n'est pas parti chercher cette aide ailleurs. Il t'a regardé en toi. Il a vu des choses qui te manquaient. Des choses qui peuvent t'encourager. Qui peuvent t'amener à la réussite. Dieu dit, il faudra que je crée une aide semblable. On a dit, c'est une aide. Qui est comment semblable à toi? Alors je vais un peu demander le jeu de mots. Semblable veut dire quoi? Pareil. Pareil. Est-ce que dans pareil, il y a une différence? Différence par rapport à semblable. Non, non, c'est-à-dire la même chose. La même chose. Nous acclamons le président. Alléluia. Amen. Hein? On a dit qu'elle est pareille, une aide pareille. Donc elle est comme toi, tu l'y es. Vous savez, elle est comme toi, tu y es en quoi? D'abord dans la chair, mais pas par rapport au sexe. Mais à l'origine, elle est pareil à l'homme. Parce que quand Dieu bénissait l'homme, il a créé Mousse Pierrot. La maman est en Pierrot. Puisqu'elle doit sortir de l'ancien Pierrot. Mais puisqu'elle était dans Pierrot, écoutez ce que Dieu disait. Il dit, domine. Alléluia. Amen. Quand il disait ces choses, maman Mireille était en Pierrot. Maman Mireille, elle donc Pierrot. Tout ce que Dieu disait concernait aussi qui? Il quoi? Non, non, je veux qu'on parle. Concernant aussi qui? Celle qui était aussi dans l'homme. Dieu dit, sois fécond. Dieu dit, domine. Dieu dit, assujetti. C'est là où il y a un problème. Alléluia. Amen. Donc la nature de la femme, c'est une nature de dominer aussi comme l'homme. Elle est sortie de l'homme avec cette loi qui circule dans son sang. De dominer sur tout ce qui vit. Tu dois dominer. Donc quelque part, c'est un autre homme. Mais que Dieu a demandé à l'homme d'appeler femme. Elle a le même besoin. Elle a le même désir. Elle a les objectifs à atteindre. Mais tout à côté de toi. La Bible l'appelle aide semblable. C'est-à-dire sans elle tu n'atteindras pas le point G. Mais c'est avec elle. C'est par son encouragement.
c'est par son accompagnement. Et si tu es prévoyant, et si tu es quelqu'un de grande vision, tu veux multiplier tes biens. On dit c'est avec elle. Donc quand la femme est sortie de l'homme, il y a la loi de dominer. Comme l'homme, à lui il y a la loi de dominer. Alors quand Dieu a vu cet équilibre, il a regardé, il a trouvé que dans l'homme il y a la loi de dominer, dans la femme il y a la loi de dominer. Comme la parole était sortie, Dieu ne pouvait pas la récupérer. Mais maintenant il dit il doit vivre en couple. Et pour que le couple évolue, Dieu met maintenant les commandements et les limites. Alléluia. Il regarde l'homme. Il dit, l'homme aime ta femme. Je voulais dire quelque chose au début. Tout ce qui vient du commandement, ce sont des choses qui n'étaient pas dans l'homme. Dieu fait de la loi ce que l'homme a difficile d'appliquer. Il te contraint à le vivre. La loi c'est une obligation. Dieu regarde l'homme. Il ne trouva pas l'amour de l'homme. Vous savez ce que Dieu avait trouvé dans l'homme? À la place de l'amour, dans l'homme il y avait l'admiration. Écrivez ça. À la place de l'amour, Dieu a trouvé l'admiration. Pourquoi l'admiration? Parce que dans le jardin, il devrait admirer pour donner le nom. Il regarde les lions. Anangalia Simba. Unyama mzuri hivi. Avec beaucoup de poils. Anakuwa na manyoya mingi. Il a des griffes. Lakini anakuwa na makucha. Il a des dents. Anakuwa na meno. Je l'appellerai lion. Nitamuita Simba. Pourquoi il admirait? Kwa nini alitaka? Parce que tout ce que Dieu avait créé, kwa sababu Mungu aliumba, était beau. Ilikuwa nzuri. Beau à voir. Nzuri kwa kuona. La loi de l'admiration. Sheria ya l'œil de l'homme. Kwa kuona. Il n'avait pas l'amour. Hakuwa na upendo. Et quand il a créé maintenant la femme, aliumba sasa mwanamke, Dieu l'oblige. Mungu anamshauri à marcher dans l'amour. Ya kutembea ndani ya upendo. L'homme, tu aimeras. Utapenda. C'est un commandement. Inakuwa sheria. Donc l'homme devrait s'exercer à aimer. Lazima mwanaume angejitahidi. Anaangalia mwanamke. Il trouve les commandements. Anakuta sheria. Il trouve la domination. Anakuta utawala. Dieu regarde, il dit, si je laisse cette femme sans les commandements, bila sheria, le mariage itakuwa tombe géré. Ndoa itakuwa tombe géré. Dieu regarde la femme, il dit, Mungu anaangalia mwanamke anasema, écoutez, sikia. Mwanamke, tu dois être soumis. Lazima uwe mnyenyekevu na mtiifu. À l'autre, kwa huyu, l'amour, upendo. À l'une, kwa mwingine, la soumission. Utiifu. Je vais dire à quelqu'un, napenda kwambia la femme n'aime pas. Mwanamke hapendake. Quelqu'un est avec moi là? Utiko pamoja nami? La femme n'aime pas. Mwanamke hapendake. Si la femme aime, kama mwanamke anapenda, elle tombe dans le péché. Ananguka katika dhambi. Sa façon d'aimer, aliacha kuomba ya penda. La soumission. Ni kunyenyekea. Quelqu'un est avec moi là? Vous refusez les femmes. Non, c'est beau pour vous. Vous allez comprendre que c'est très beau. Maman grâce. Maman grâce. C'est très bon ce que je vais dire. Alléluia. Amen. La femme. Manamke. Dieu ne t'a pas dit aimer. Non, Dieu a dit soumettez-vous. Notre Ephésien. Chapitre 5. Hein. Si vous lisez là. Le verset phare de notre invitation. C'était quoi? Ephésiens 5, le verset 24 ya msingi, à combien? On nous lise un peu avant que je dise d'autres choses. Ouais, mon frère, vous n'avez pas donné l'heure. Je termine à quelle heure? Que je sache. Oui, oui, malheureusement. Vous pouvez me rappeler? À 16h30. Pardon? Ok, 17h moins les quarts, ok. Oui mon frère, vous pouvez nous lire Ephésiens chapitre 5, verset 30, il est écrit, parce que nous sommes membres de son corps, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ce mystère est grand. Je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Amen. Du reste,
que chacun. Non, non, vous commencez par le verset 22 d'abord. Verset 22. Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. Soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. Car le mari est le chef de la femme. Car le mari est le chef de la femme. Comme Christ est le chef de l'église. Comme Christ est le chef de l'église aussi. Comme Christ en a quoi kichwa ya kanisa. Qui est son corps? Et dont il est le sauveur. Oh. Qui est son corps? L'église. Kanisa mbona kwa mwili wake. Et dont il est le sauveur. Na yeye ni mwokozi. De même que l'église est soumise à Christ. De même que l'église est soumise à Christ. Jinsi kanisa inavyonyenyekea kwa Kristo. Les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. En toutes choses. Na hivyo wanawake wanapaswa kuwa hivyo hivyo kwa yote. Aimez vos femmes. Marie, aimez vos femmes. Comme Christ a aimé l'église. Après. Et s'est livré lui-même pour elle. Oh, acclamons d'abord le Seigneur. Kwanza bwana. Acclamez le Seigneur. Shangilia bwana. Acclamez. Je vais me battre pour terminer à quart. Ndapiganisha ni malize kwa dakika 15. Des mots pour les questions. Nitaacha nafasi kwa maswali. Écoutez bien aimé. Sikia ndugu mpendwa. Le mariage. Ndoa. N'est pas sorti de la pensée de tes parents. Alikutoka katika fikra za wazazi wako. Quand vous étiez encore chez vous à la maison. Mlikuwa kwenu kwa nyumba. Ta mère t'avait dit quelque chose sur le mariage. Ton père, toi aussi l'homme, Baba yako pia il t'avait dit quelque chose sur le mariage. Pia chez nous les Kasaïens, si Kasaï, souvent plus les parents nous disent que la femme n'est pas ton amie. La yako. Femme n'est pas ta soeur. Mwanamuke yako dada yako. Anasema, il utilise un terme pour dire wanatumia msemo. Kajin kaseba kambuji. Jisto anasema. Nanyaza wana. Muse, njo kusema nini? Unana naza cheka epeka. Elle a dit coute à moi déjà. Il se retrouve. Mouze, Oudikas est tout, tu as bien. Ça veut dire quoi? Il n'a pas de bon, on a checké à lui, tu as pourquoi vous riez comme ça pendant que nous ne connaissons pas la signification? C'est-à-dire que c'est quelqu'un à mettre à côté. Alléluia. Amen. Les Kassayens disent la femme. Ce n'est pas mwanamke. Quelqu'un qui doit se mettre à côté de papa Pierrot comme aïe, ça. Baba, elle doit être loin. Lazima kumutenga. Cette loi-là yo sheria provient des Juifs. Inatokea kwa Yahudi. Cette loi-là. Yo sheria. La femme ne pouvait pas rester. Regardez seulement la vie de la reine Esther. Tazama tu vous chantez ya pour elle reine. Ya mais pour aller Esther voir les rois. Lakini, il fallait que le roi envoie quelqu'un. Il y a une mufalme, elle peut faire mufalme, des années et des mois sans voir les rois. Miezi elle va voir la vie de son homme. Elle attendra jusqu'à ce que l'homme la désire. Ce mariage gagne-il? Ça provient de là. Inatukia. Alors je disais ceci. Quand nous venons de nos maisons, le Seigneur dit ceci. Il dit anasema, l'homme munanome, dans les lois juives, katika sheria les yaudi, hommes ne quittaient pas leur maison. Wanaume, dans l'ordre des juifs, katika wanaume, un homme wanaume, doit rester à côté de ses parents. Bakie kando wazazi il doit vivre à côté de ses parents. Pourquoi? Kando wazazi yake. Parce kwa sababu, il doit développer les biens de leur famille. Parce que c'est l'héritage qui doit hériter. Kwa sababu ni urithi. Même s'il s'est marié, c'est ainsi que tu as vu ce petit Isaac. Isaka. Quand il s'est marié, alilunga, Rebecca a quitté chez Rebecca elle alitoka, quoi, pour venir s'asseoir dans la maison de la famille. C'est là où aussi il y a un problème. Shida. Quand elle était à la maison de la famille, les belles sœurs, les beaux frères qui demeurent dans la maison, nyumba, qui ne vont pas t'accepter ambao, peut-être, qui ne vont pas accepter les actes que tu poses à côté de leurs grands frères, les grands frères auprès de qui ils tremblent, qui voient une étrangère qui joue avec leurs grands frères, qui répond à leurs grands frères, les combats nés. Na vita vinaanza. C'est ainsi que Dieu a dit. Mungu alisema, non, non, l'homme, tu ne vas plus rester à côté de tes parents. Mwanaume hautabakia kando wa wazazi. Sema toka. Pour aller iliwenda t'associer à côté de la femme. Pour aller vivre avec ta femme. Donc le mariage nous oblige les hommes à quitter. J'ai dit à l'introduction, la femme ne quitte rien. Alors toi, femme aussi, quand tes parents tambourbe des choses. Wakati wazazi wanakufunza unajua kwenye unenda kule. Là où tu pars. Njo shamba yetu ile. C'est notre champ.
Alléluia. Amen. Mutoto na sikaka mamake. L'enfant écoute sa mère. Wana mouke na ya na fuchikaka. La femme aussi cache. Wana na kupatia kidogo na fuchik. L'homme te donne quelque chose, tu caches quelque chose. Na unasukumia bazazi yako asijui. Et tu donnes aussi à tes parents sans qu'ils sachent. Tu n'as rien quitté. Toka kitu. Tu n'as pas de parents. Auna wazazi. Grand. Olobi nini. Na wikika viazo vibre awa. Na zoe bate. Na mzee kwa na. Na vitu. Nous souffrons avec ces choses. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. J'ai beaucoup de choses à dire, mais le temps me fait défaut. Na vitu vingi vya kusema lakini muda inani. Alléluia. Sumbua. Oui. Dio. Mais il faudra aussi que l'homme soit chrétien. Il bidi pia mwanaume au. Il faudra que l'homme comprenne. Il bidi mwanaume au. Que celle qui est avec moi, yule mko pamoja nami, elle n'est pas égale à mes parents. Haiko sawa na wazazi wangu. Elle n'est pas égale à mes frères. Haiko sawa na ndugu zangu. C'est une partie de moi. Inakuwa sehemu yangu. Dieu t'a donné un exercice avant que cette femme ne vienne. Kabla huyo mwanamke ajaje. Garde les jardins. Wende kuchunga bustani. Cultive les jardins. Wende kulima bustani. Donc la protection de la femme. Soma ulinzi wa mwanaume. Pour les membres de ta famille. Kwa ajili ya jamaa yako. C'est toi l'homme. Ni wewe mwanaume. Puisqu'avant qu'elle ne vienne, Dieu t'a entraîné à cela. Cultiver la terre. Gardez-la. Parce que la femme devrait venir. Alléluia. Mais ça, ça est kabwana. Toi, tu es kabwana. Tu as dit ce que ma famille a dit, c'est ça? Alléluia. Amen. Dès que ta bête à ta petite soeur vient, d'ailleurs, tu as Bibi à quoi panac? Ta femme ne donne pas. Job à quoi mobile? C'est qui c'est chez toi? Elle est sortie de toi. Mais elle est au Kandaniako. Vous savez pourquoi ça naît? Parce qu'on n'a jamais été préparé. On n'a jamais été enseigné. On entre dans le mariage avec des pensées qu'on s'est fait nous-mêmes. Au lieu de demander à ses créateurs comment est-ce que je dois vivre dans le mariage. On a dit dans ce verset, Marie aimait la femme comme Christ a aimé l'église. La dernière parole, il dit ceci, il s'est sacrifié pour elle. Il s'est présenté en sauveur. Oh, il faudra que la famille de ta femme trouve que tu es un sauveur. Lazima jamaya mke wako kama wewe ni mwokozi. Est-ce que quelqu'un est avec moi là? Amen. Oui, une famille qui pense qu'il voit que non, notre enfant, celle que nous avons gardée pour cet homme, non, elle a reçu un messie. Quelqu'un qui s'est anticipé, qui sait voir au-delà même des démons de la femme. La Bible dit aimer la femme comme Christ a aimé l'église. Si nous allons parler de comment est-ce que Christ a aimé l'église, à cause de l'église, ce n'est pas Gamaliel Temple, à cause de toi, la Bible dit tu es une partie de Christ, mais à cause de toi, lui il a accepté d'être flagellé à ta place, il a accepté d'être insulté à ta place. Oh, que ta famille n'insulte pas ta femme, mais qu'il t'insulte toi. Prends garde, prends protection de cette femme. On dit Christ a souffert. Il a été molesté pour cette vie. C'est-à-dire tu la protèges. Tu vois ton petit frère veut jouer avec ta femme. Tu te lèves contre. Parce que ton devoir c'est de la garder. Elles sont là avec leurs défauts. Alléluia. Amen. Merci maman, mon empathie à moi. Merci Écoutez les hommes. Nous les hommes, souvent nous voulons faire à la femme ce que nous pensons. Souvent, comme on a dit que la femme doit être soumise, la soumission dans le terme de l'amour, ce n'est pas la soumission que vous pensez là-bas. Humainement parlé, la soumission ça veut dire vaincre. La soumission ça veut dire tu as lutté contre quelqu'un, tu l'as vaincu, tu la soumets maintenant à ta volonté, des gré et des forces. Tu vas faire ça. Amen. Amen. Alléluia. Amen.
Ça, c'est ce que le monde apparaît dans nos images. Mais devant le Seigneur, la soumission, c'est quoi? C'est ça l'expression même de l'amour. C'est l'expression de l'amour. On a dit à la femme, n'aime pas. Mais ta façon d'aimer, c'est la façon de se soumettre. Se soumettre pour Dieu, ça veut dire quoi? Comme il t'a mis à côté de cet homme, comme une aide, c'est que tu sais voir des choses que l'homme ne peut pas faire. Même si tous on est soumis. Moi j'ai une amie de service. Cette amie de service, on était comme ça. Après quelques jours, on l'élève, elle devient directrice. Quand j'étais avec elle, le même grade, la même fonction, je l'envoyais, je gueulais sur elle. Je la disais, mais non, quand elle fait des défauts, je gueule. Mais une fois élevée, elle est devenue directrice. Elle m'envoie. Seuls les militaires peuvent comprendre ça. Alléluia. Amen. Hein, c'est-à-dire, elle devient chef, moi je deviens son aide, son conseiller. Elle peut rester dans son bureau, elle m'appelle. Patrick, tu peux venir. Tu peux prendre ma clé, tu peux aller à l'aéroport. À vos ordres. Suivre ça, ce n'est pas une faiblesse. Est-ce que quelqu'un est avec moi là? Oui, se soumettre à ça, ce n'est pas une faiblesse. C'est parce qu'il y a de l'ordre, il faut que l'ordre règne dans l'organisation. Donc quand la femme se soumet à l'homme, ce n'est pas parce qu'elle est inférieure. Femme, enlevez dans vos têtes que vous êtes inférieure à nous. La Bible dit, nous sommes semblables. Et si Dieu vous a mis à côté de nous, c'est pour que vous nous aidiez. Une fois j'avais dit aux mamans, on ne demande l'aide qu'à celui qui est égal à toi. Soit à celui qui est supérieur à toi. Quand nous serons en guerre contre les Rwandais, on n'ira pas au Brazzaville demander de l'aide. On peut partir en Angola parce que l'Angola est supérieure à nous. Soit on va chercher un autre pays qui est égal à nous. C'est-à-dire l'aide ne provient qu'à celui qui est égal à toi. Soit supérieur à toi. Donc c'est que quand Dieu a créé la femme, c'est pour qu'elle soit égale à nous. Mais dans la soumission, Dieu a fait que l'homme domine. Est-ce que quelqu'un entend ce que l'église, l'esprit dit à l'église? Arrêtez les dictatoriales. Tu considères la femme comme ta serpillier. Ce que tu dis là, c'est l'évangile. Je vais m'arrêter dans 3 minutes. Alors, dans les couples, les philosophes, ils ont remarqué au moins, ils ont classifié au moins 4-5 sortes de mariages. Des types de mariages qui existent. Écoute, ça, ce sont des philosophes. Le mariage n'a qu'un seul modèle. Modèle, c'est Jésus-Christ. Alléluia. Et nous, qui sont l'épouse de Jésus, regarde comment est-ce que nous cherchons Jésus. Dans le mariage, la femme doit chercher l'homme. C'est nous qui cherchons. Parce que cet homme-là cherche pour les servir de la famille. Mais maintenant, qu'est-ce qui se passe dans le mariage avec nos femmes? Dans le mariage avec nos femmes, les femmes sont devenues androïdes. Ils sont programmés par Canal+. La femme oublie qu'elle a été à côté de cet homme. Parce que l'homme pense, j'ai aimé quelqu'un qui a dit ceci. Quand la femme est malade, la femme regarde à l'homme. Quand l'enfant est malade, l'enfant regarde à l'homme. Si vous avez des travailleurs, il regarde à l'homme. Mais quand l'homme a des problèmes, lui, il regarde à qui alors? Quand l'homme
sort pour aller chercher. Anatoka, on l'insulte au boulot. On le qualifie de tous les mots. Yote. Il y a d'autres Mwengine. Qui font des sales besognes. Ambo wanafanya vibaya. Tout ça à la quête de kwa, mettre à l'aise cette femme. Kwa ajili tu ya kufanya mais quand il awe rentre, heri. Avec toutes les douleurs, na la charge de la journée, na usito wote wa jana, il rentre anarudia. L'accueil qui lui est réservé ni vita à désirer. Ah. Upokelewa mbwe na mchungu, ina des fois, l'homme entre, haifurahishe. Mwanaume anaingia, la femme ne sait même pas que l'homme est entré. Mwanamke ajue kama mwanaume aliingia. Elle est sur WhatsApp. Anakuwa kwenye WhatsApp. En tout cas, ule petit ni kimuona. Si je vois ce petit. Créateur de WhatsApp. Mwenye alifanya WhatsApp. J'étais en visite avec madame. Nilikuwa natembea na mke wangu. C'est quelqu'un que je mettais le nom. Kwa mtu ambaye mimi nafuchika jina. Parce que vous le connaissez. Kama mnamjua. C'est quelqu'un que je considère. Il avait connu une malaise. Il a été empoisonné. Il est passé dans les comas. Et le Seigneur l'a ramené à la vie. On s'est dit avec madame, quand on est venu, c'est un homme qui me considère. C'est sa femme qui me considère. Mais quand elle me considérait, c'était avant que WhatsApp ne vienne. Quand WhatsApp est venu, elle ne me considère plus. Vous savez, je suis entré avec madame. Madame, son mari nous a vus. Oh, homme de Dieu, oh, tu es là. Il est venu, il nous a accueillis. Pendant que lui s'est levé pour nous accueillir, la femme était. L'homme de Dieu nous caribiche. Le monsieur nous caribiche. Il nous fait asseoir. Chérie, tu n'as pas vu Patrick? Bibi, il dit, Patrick. Hey, tonton, tu es là. Hey. Soyez bénis. Jusqu'à ce que l'homme a senti une amousse. Il n'a pas pu supporter. Ça, ce n'était pas manquer du respect, mais recadrer sa femme. À notre présence, c'était pas, ce n'est pas conseillé. Si tu veux recadrer, on va dire à ta twende. Mais tellement il mousse. L'homme commence à raconter. J'ai frôlé la mort, mon frère. D'ailleurs, je suis catholique. Hein, mais j'écris un livre sur ce que je voyais. Il nous parle. Là. Il dit, je suis sorti de mon corps. J'ai vu comment est-ce que le docteur venait avec de, le kishutu là. Le kishutu là, la kishutu les gens. Il n'y a pas de médecin ici. Il y a kurudisha tena pumzi. Pardon? De? Il est mousan nasema parle. Comme des vives, la terre, comme un dinil. Il a nasema. Il dit qu'on le mettait, il s'est secoué, mais il s'est vu en dehors. Il a vu même ce qui s'est passé dans les couloirs. Et Dieu, par miséricorde, l'homme est rentré. Il nous expliquait ces choses. Quand il parlait, il avait des larmes. La femme a haïko. Après, il dit à sa femme, quand j'étais revenu là, il dit, c'est ma canine tena. Qu'est-ce que j'ai dit? Haïko parle. Elle n'est pas là. Anona ibinapit. Il a trouvé que c'était assez. Il s'est levé maintenant, il a tourné sur sa femme. Je, hey, ah, pardon, pardon chérie. Femme. Vous jouez avec la chose. Muna cheza na kitu. Vous jouez avec le mariage. Muna cheza na ndoa. Vous savez, najua. L'homme comme la femme. Mouke souvent tu n'es pas dans ma langage. Yenye na semaka. Ukinikatala tu parles ici. Mita toka tu apa. Si tu me refuses, na mwingine anani kamata. Quelqu'un d'autre va me prendre. Uliza benye basha toka. Demandez à ceux qui sont sortis. Uliza. Demande. Trouvez ton numéro. Kupata namba yako. Je vais me limiter parce que j'ai trouvé mes 15 minutes qui m'étaient données. J'ai touché ça et là sans pour autant entrer en profondeur. Je me récapitule en trois mots. Femme, le mariage est venu de Dieu. L'homme, ce n'est pas parce que tu avais des soucis. Dieu avait pris en compte tes soucis. Il avait déjà créé la femme avant que tu n'observes que tu n'avais pas d'aide semblable. Le Seigneur avait déjà mis cette pensée. Deuxième chose que je venais de dire, la femme n'a pas de famille. Vous les femmes qui écoutez vos parents, vous les bois n'a si connaît à ta
que cet homme-là ne te méprise pas. Toi, tu es la fille de Léga. Tu es la fille de Chi. Ose même pas te mépriser. Ne l'écoutez pas. Où c'est une ancienne des âges, celle-là. Il est en accord avec sa carrière. Il a déjà fini sa carrière. Toi, tu es encore dans la carrière. Écoute Dieu. Et écoute ton mari. Est-ce que quelqu'un est avec moi là? Amen. Quand on a quitté nos parents, ce n'est pas pour les jeter. Écoutez, les parents ont des trois rôles dans nos vies. Le Seigneur nous a fait passer par ses parents pour que nous soyons éduqués, que nous soyons ordonnés. Alors, quand nous avons atteint l'âge de quitter, c'est-à-dire quand nous étions auprès de nos parents, nous devons les écouter à 100%. Parce que c'est la faute de notre éducation. Mais une fois tu es sorti, cette relation de papa, fils, fille, ça doit être coupé. Mais maintenant, c'est quelle relation qui va demeurer quand tu quittes la maison de ton père et de ta mère? C'est la relation de les honorer. C'est-à-dire, tu dois les honorer par tes biens. C'est ainsi que j'exhorte aux hommes. Vous qui n'aimez jamais visiter la famille de ta femme. Vous qui n'aimez jamais que la femme trouve quelque chose pour envoyer à sa famille. Toujours pour famille. Vous les hommes qui laissez les membres de ta famille venir donner les ordres que tu vas donner à ta femme. C'est que vous. Alléluia. Si Dieu t'a ordonné de quitter, c'est parce qu'il ne voulait pas que ses parents s'ingèrent. Tu pars écouter d'abord les parents pour amener l'apocalypse dans ta maison. Je me limite là pour que je puisse poser les questions. Je ne sais pas. C'est oui. Qu'est-ce qui a été programmé? Nini, je suis prêt pour toutes les questions. Na kwa kwa swali je zote. M'étais préparé. Nili au début, je disais, mwanzo nilianza, c'est l'eau dans laquelle je sais nager. Katika, c'est l'eau ni maji dans laquelle je sais nager. Ndani na yua kunawa. Parce que le Seigneur m'en a vraiment exercé. Kwa sababu Bwana alinifunza. Dans ses enseignements, Dieu m'a exercé. Katika mafundisho, Mungu je suis prêt pour toutes les questions. Niko tayari kwa maswali kama zote. Misiwezi mzee Ivan est là. Aussi, kama misiwezi mzee Pierrot est là. Il y a l'ancien Pierrot, Joseph est là. Il y a l'ancien Joseph. On va se compléter. Tout à je suis là pour toutes les questions. Est-ce que c'est ça? Si vous avez des questions, vous pouvez seulement vous tenir debout et vous lever la main. Peut-être qu'il y a d'autres questions que tu ne sauras pas parler à masse et tu peux écrire, tu peux nous faire parvenir ça. Karibu. Bienvenue. Ma chema siwa konaweza lomba karatasi unaandika. Le théâtre peut faire passer les papiers. Dole tunakupa microphone. Una... Je n'ai pas parlé du sexe. Lorsque Dieu déchiffrera d'autres moments, on en parlera. Wakati Mungu atanda ingine siku. Je voulais donner un peu l'image de ce que les mariages devraient être. Nilipenda kupana tu chapa ya gisi ndoa. Ne trouvez pas le modèle chez tes parents. Usitafute mfano kwa wazazi. Tu peux copier ce qui était bon. Unaweza kuiga. Mais le modèle du mariage c'est Jésus-Christ. Lakini mfano nzuri ya ndoa ni Yesu. La position de l'homme vis-à-vis de sa femme. Msimamo ya mwanaume na position de Jésus vis-à-vis de l'église. Inakuwa msimamo wa Yesu kulingana na kanisa. S'est donné. Kwa ajili ya kanisa lijitoa. Il s'est présenté en sauveur. Akajionesha kama mokozi. Mon frère, quand tu seras marié, ndugu yangu wakati utaoa, que ta famille ne joue, ne déjoue pas de ta femme. Protège-la, encore tu as du misque. Na hivi unaenda kuintimider na wanakimbia. Parce que tu dois protéger ta femme. Lazima utunze mke wako. J'attends vos questions. Nachunga maswali. Mimi najua kama Mungu alibambia tellement bien. Il n'y aura pas de questions. Namina funga micro yangu. Je sais que Dieu vous a bien parlé. Il n'y a pas de questions. Et je ferme mon microphone. Ok. Donnez le micro à mon frère. Vous appartient Ndugu. Bon, je voulais poser la question concernant ce que j'avais attendu. Nilipenda kuswali kuhusu yale mnisikia. La femme est venue de l'homme. Mwanamke alitoka ndani ya mwanaume. Et maintenant il y a quelque chose qui tourne dans ma tête. Kuna kitu napita kichwani mwangu. Est-ce que
c'est normal un homme puisse marier une femme plus âgée que lui. Donc, pourquoi j'ai posé la question? Parce que la femme est sortie de l'homme. Donc l'homme, c'est qui a devancé la femme. Est-ce que vraiment c'est normal? Merci. On a déjà comment Macron a l'écho à Pange Kufunga. Si Macron était là, il pouvait vous emprisonner. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Le frère dit, si la femme vient de l'homme, mais maintenant, il se fait que l'homme est plus, la femme est plus âgée que l'homme. D'où est-elle sortie cette femme? Avant de m'y répondre, Mzee Piero, où est-ce qu'il y a une réponse? Papa Piero, si tu es comme on a quoi, on a dit bon. Mzee Joseph fait quoi? Maintenant, on a cette anakimbi, il s'est quitté question anakimbi. Non, Mzee Youssouf anakimbi a eu soirée. Amen. Amen. Bon, ça, ce n'est pas Dieu. I aiko Mungu. Mais c'est moi. La qui ne mimi. C'est nullement. Nul écrit quelque part. Mais ça c'est moi. Lakini ni mimi. Souvent plus quand la pourquoi nous marions les femmes moins âgées que nous. Kwa nini tunaoa wanawake ambao tunawazidia miaka? Parce que beaucoup de choses elle doit apprendre de nous. Kwa sababu vitu vingi lazima ajifunze kutoka kwetu. Nous devons avoir l'expérience de la vie. Lazima tuwe na ujuzi wa maisha. Pour faire imiter cette femme. Au préalable, nous devons avoir une éducation. Nous nous pouvons maintenant transférer à cette femme. Elles sont moins âgées que nous. Parce que elle doit d'abord la femme, quand on dit c'est une aide semblable, c'est une partie qui te manquait. Regardez seulement toutes les femmes qui ont notre âge. Ils ont pour mari votre père. Mais pour que même le papa les maîtrise, c'est tout un problème. Malgré qu'elle peut avoir moins d'âge que toi, mais sa façon de voir les choses, sa façon de concevoir les choses sont égales à toi, quelle que soit la différence d'âge. Vous pouvez vous différencier de 5, 4, 10 ans, mais une fois à côté de toi, cette femme aura des réflexes plus que toi, parce que c'est une partie de toi que le Seigneur a fait qu'elle t'accompagne et t'aide à réaliser quelque chose. Alors, pour répondre tout court à notre frère, je risque de choquer parce que peut-être qu'il y en a ici. Parce qu'il y a des couples dont la femme est plus âgée que son mari. Vous pouvez oser seulement. Alléluia. Amen. Je vais te répondre ça. Je risque de friser. C'est quoi, il était trouble. Quand je vais répondre ici. Nikijibia. Bakirudia tu kunyumba. Si il rentre à la maison. Ulisiki. Tu as entendu. Pasteur anau ando. Pasteur a tué le mariage. Moi aussi je suis prudent. Niko mon prévoyant. Que Dieu vous bénisse. Mungu awabariki. J'attends une autre question. Na chunga swali ingine. Sijui kama le pasteur chieme kwa la question wala dafta kuongeza paske maswali zingali hapa. Mzee atatupatia ya mwisho. Ya mwisho. Mzee utasema ya mwisho. Wewe ya mwisho paske wenjo clôture yetu hapa. Wewe dota swali nani? Kuna mababa. Wenjo omega. C'est vous l'omega. Alléluia. Amen. Moi c'est Rufin Chukou. Je suis père de deux enfants. Niko baba watoto wawili. Je suis entré travailler pour 5 ans de mariage. Niko kwa miaka 5 ndani ya ndoa. Je vais m'expliquer un peu en swahili. Napenda kusema kiswahili. Kwa ukweli pasteur, fundisho ya leo, l'enseignement d'aujourd'hui nous construit. Nena tutia nguvu. Nous édifie.
Lakini kwa ukweli, mais en vérité, mafundisho, cet enseignement, si wanaume natusaidia, ça nous aide beaucoup, nous les hommes. Vizuri kama watu wanazungumza. Mais c'est bon si les gens peuvent parler. Mwahi mambo yenye wanazungumza kuko ma point mingi ulikusia, beaucoup de points que lakini kuko nyine moya yenye mwenzetu baba mwe alikia nizungumuzia na kunilomba swali. Il y a d'autres que un homme. Mbaka leo kwangu ingali ngumu kwa kujibu. Jusqu'à aujourd'hui, c'est difficile de répondre. Suivez, hein, s'il vous plaît. Suivez ce que les bien-aimés sont en train de dire. Ça va nous djenga. Ça nous djenga aussi. Il t'a pris notre djenga, Sarah. Bien que tu lioa babibizetu. Bien que nous avions marié nos femmes. Ndio nao ni watu kama sisi. Ce sont des personnes comme nous. Walizaliwa kama sisi. Ils sont nés comme nous. Na wamwa wanasema tulioa na mke lakini hatukoa mafamilia. Et d'autres disent que j'ai marié la femme et non la famille. Ndio kuna kuwa ba belle famille zenye ziko za mzuri zinaweza pana shauri. Na ndio kuko za mbaya zenye haziwezi pana shauri. Il y a aussi des bons ou des mauvaises qui ne peuvent pas donner de bons conseils. Kama ile yenyewe unasema si kuko wazazi wenyewe wanadanganya bibi zao kule kwenye naenda ndio shamba yetu. Sasa ki udit que si y a des parents qui trompent leurs enfants dit que là vous allez c'est notre chance, c'est vrai. Na wanamuke wengi hawasukume mawazo mbali. Beaucoup de femmes ne réfléchissent pas trop. C'est sûr que mwanamke anaweza saidia familia yake. C'est vrai que la femme peut aider sa famille. Lakini question yangu ya kwanza ni hii. Ma première question est que nini inaweza tuma mwanamke kwa kufanya kitu kizuri kwao asihusishe bwana yake? Qu'est-ce qui peut faire que la femme n'associe pas son mari pour faire une bonne œuvre chez elle? Ile ni pointi ya kwanza. Ça c'est le premier point. Kuko fasi mwa tulikuwa kanasoma Biblia, banasema kama maombi ya bibi na bwana kama mniweka pamoja inasikilika haraka kwa Mungu. Et la femme est exaucée rapidement chez Dieu. Kwa nini kama iko nahitaji kwao akishia fasi mwa na mume wake hawawezi kuijibia vizuri kuliko yeye kwenda bila kuhusisha mwanaume? Pourquoi si elle demande chez elle ne peut pas associer son mari pour qu'il puisse bien faire ça au lieu de le faire seul? Retenez bien les questions, hein, puisque vous allez me rappeler pour répondre. Najua kama mkuko ba mingi biko na hiyo shida. Je sais que beaucoup ont ces problèmes ici. Lakini nao ni watu kama sisi sawa kisu tulisema. Ce sont des hommes comme nous, comme nous. Banasema ka il y a tant de veuves que de veuves, ouais. Wanaume ndio wanasumbuka. C'est possible que les hommes souffrent. Wanaume ndio wanakufa haraka. C'est les hommes qui meurent. Na kila mwanaume anatumika juu ya bibi yake. Et chaque homme travaille pour sa femme. Tunaona tunajua kama ma belle famille nao ni bazazi kwetu. Nous voyons que nos belles familles sont aussi. Lakini utusaidie kwa ile swali. Tunaweza fanya nini kusudi mabibi zetu kila kitu wanaweza fanya kwao watuhusishe sisi kuwe kizuri ama kibaya. Qu'est-ce que nous pouvons faire pour que nos femmes nous associent dans nous acclamons d'abord le Seigneur pour cette question. Elle est tellement jolie et profonde. Écoutez. La toute première question c'est quoi? Swali ya kwanza ni moja moja tu il est allé. Écoute, il a posé la question pour dire pourquoi la femme quand elle veut aider sa famille elle le fait en cachette sans pour autant associer l'homme à cette femme. J'ai des réponses à ça. La toute première réponse c'est l'égoïsme d'abord de l'homme qui a poussé cette femme-là de ne plus tenter cette expérience. Je reprends. Pourquoi la femme, pour aider sa famille, elle le fait en cachette au lieu d'associer l'homme? Écoutez, j'ai un couple pour répondre à ta question. L'homme était trop dérangé par sa femme. Tout le temps c'était on n'est pas parti voir le parent. Elle fait les choses, les colis. Quand ils entrent dans la voiture, ils vont chez les parents de la femme. Tous les jours comme ça. Alors un jour, l'homme maintenant dit à la femme, écoutez, nous allons aussi aller voir le parent, ça fait longtemps que tu as oublié. Quand ça venait de l'homme, la femme a mis dans sa tête que nous allons partir voir les parents de l'homme.
Les colis qu'elle faisait avant, elle a diminué la quantité. Elle a mis des mauvaises choses. Et quand on a pris les colis, on a mis dans la voiture. L'homme a démarré pour partir. Après, la femme sursaute. Mais nous allons voir les parents, non? Et moi, j'avais dit les parents. Après, la femme sursaute. Pour moi, je trouve que ce qu'on a mené, ce n'est pas important de l'amener. Je commence par répondre. Si la femme n'associe pas l'homme, l'origine c'est quoi? C'est l'égoïsme de l'homme. C'est que la femme a trouvé que l'homme s'intéresse plus à sa famille, à lui, que beaucoup plus à la famille de la femme. Les aides que l'homme apporte à sa famille, ce sont des aides de choix. Alléluia. Des choses considérables. Parce que c'est son père. Parce que c'est sa mère. Et souvent plus il oublie le désir de la famille de sa femme. Quand le papa de l'homme appelle, il dit, je suis malade. C'est $100 qui sort. Tu arranges $100, tu donnes à mes parents, ils sont malades. Quand c'est la maman qui bouge quelque chose, on achète la maman, ma mère est nue. Mais quand la femme remarque, si c'est le tour de ses parents, à la place de 100, c'est $100. C'est un $20 qui sort. Elle commence à devenir prévoyante aussi. Est-ce que quelqu'un est avec moi là? C'est ça le début d'abord de la chose. Si la femme commence à poser des actes en cachette, c'est que de ton côté, c'est toi qui as commencé cette injustice. Deuxième question, c'était quoi? D'autres, pour rajouter, en dehors de cet égoïsme de l'homme, c'est le tabia de la femme. Si la femme de la famille où elle est sortie, c'était déjà une femme comme une sardine qui n'a pas une tête. Vous savez, quand on nous envoie la sardine, nous mangeons un poisson que nous ne connaissons pas la tête. Une femme monia kamatikaki. La femme connaissait. Et qu'elle a été entraînée dans ces choses-là. Les choses de cachotterie. Les choses de vol. Alors, elle commettrait toujours ces mêmes actions. Même quand elle sera à côté de l'homme. Parce que cette femme-là n'a pas été enseignée. Au début, j'ai commencé par dire, l'Église doit préparer les couples. Il faudra que les enseignements sur l'éthique chrétienne soit dans l'église. Avant que nous ne nous marions, qu'est-ce que Dieu exige du mariage? La première chose, c'est l'homme. La deuxième chose, c'est l'éducation. Si la femme le fait, ce sont des choses qu'elle a entendues de ses parents. Alors, pour couper court à cela, c'est qu'il fallait que les enseignements précèdent le mariage. Dans nos églises, nous avons des grandes filles. On appelle des jeunes, des grands jeunes, qu'on laisse comme ça. Qu'on n'enseigne pas. Chacun avec son image du mariage. Et quand il entre dans le mariage, il veut réaliser ses desseins. Il dit, wanauma iko mwenzako. Parce que pour l'humain, pour les hommes, le divorce ici est là. Le jour que tu vas divorcer, qu'est-ce que tu vas trouver chez vous? Si on t'inculque ces choses, c'est pourquoi cela naît. Il y a deux réponses à ça. La femme subit, la femme encaisse. Elle trouve qu'elle a beaucoup sollicité. Même quand tu donnes, moi chez moi, qu'est-ce que je fais? Ça, je donne un peu un modèle de moi. Quand moi je vais envoyer quelque chose dans ma famille, d'ailleurs ça c'est mes parents, ce n'est même pas moi. Mes parents ne me demandent pas, mes parents demandent ma femme. Alléluia. Amen. Ils ne me demandent pas. Ils ont besoin, ils passent par elle. C'est à elle de me dire. Tu vas voir, des fois elle me vient et dit, ah chérie, mais ça fait longtemps qu'on n'a pas envoyé quelque chose au bas. Alors,
Quand elle me fait ça, okay, nambia yo, mina bakia na dette morale. Na bakia na souvent c'est mes parents. Wenda souvent c'est mes parents. Wenda wasa si wangu. J'ai dit là, non, non. Nasema pana. Nami, il faut que na gagne macho yo. Nami, nita gagne macho yo. Il faut na gagne macho yo. Nami, lazima et moi aussi, nami, pia. Je me réveille, j'ai dit, non, non. Na muka nasema. Chérie, viens d'abord. On peut partir quelque part, j'achète les super wax. Naomba, unauza nguo. Tu vas donner à maman. Nasema utapatia mama. Tu vas donner. Maman. Je prends l'argent, tu vas donner aussi à maman. Tu quoi parce maman. Que elle, quoi elle pense à mes parents. Ça, oui, ça me donne un devoir aussi de penser à ses parents. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Mais quand c'est la femme qui pense toujours à ses parents, j'ai dit que la femme n'a pas de parents. Tu veux gagner ce match-là, pense aux parents de ton mari. Parce que ce sont tes parents. Plus tu les feras, plus le Seigneur les touchera pour qu'ils pensent à toi. Si l'on pose l'acte de côté de sa famille, sera poussé aussi de poser des côtés. Quand même qu'on a djengé à Bazaziaki, parce que beaucoup en manque, il fera quelque chose près le même niveau pour tes bazazi qui on sait que les bazazi manquaient. Je me réserve d'aller trop loin parce qu'on m'a dit qu'il y a beaucoup de questions. Si il y aura peut-être d'autres choses même à déclos, on pourra le parler. Il y a une autre question. J'avais vu, moi, on m'a présenté 6 personnes qui avaient des questions. Oui maman. Shalom. Shalom, maman. Mie ni maman Marie. Maman Marie. Niko na 22 ans de mariage. Je 22 ans de mariage. 22 ans. Oui. Niko na mina. Maman Marie. Merci beaucoup. Niko na swali kidogo. J'ai quelques questions. Niko na swali yangu ni wakati tuko mu couple. Parce que nous sommes dans un couple. Ikuwe mwanaume ama mwanamuke afikilie kwa wakati anatimiza mapashwa ya munyumba, mapashwa ya couple. Donc hatimize mapashwa yake ndani ya nyumba, mapashwa zote. Mapashwa ya kitanda, mapashwa ya nyumbani. Donc mama ni kutoka na kurudia sawa vile baba naye anatokaka na anarudia na anaemea anafanya donc mapasho ya watoto lakini mapasho ya mwanamke ama ya mwanaume mais les besoins de l'homme de la femme hafanya hiyo mapasho ndani ya n'accomplit pas ses devoirs ijapokuwa alors que tumefundishwa kama mwanamke alitoka ndani ya wafu la femme est sortie dans le côté de l'homme. Et cet homme, ou bien cette femme, anastaili considération gani ndani ya couple yake, mérite quelle considération dans son couple? Merci. Merci beaucoup. Bon, tu peux me résumer un peu là, je la comprenne bien. Question est que là, l'homme, c'est-à-dire, je ne comprends pas bien, très bien. Comment est-ce que l'homme peut être considéré ou mérite un mérite si il ou elle n'accomplit pas ses devoirs, que ce soit des devoirs primaires, des devoirs conjugaux, donc il n'arrive pas à accomplir ça. Comment cette personne peut mériter l'honneur? Amen. Merci, j'ai compris les questions. Au fait, notre thème était le mariage institution divine, mais enjeu de tous les combats. Tous ces combats. Elle vient de poser la question. Quand l'homme ne satisfait pas sa femme, et la femme ne satisfait pas son homme, ma toute première réponse elle est celle-ci. Pour arriver à résoudre tous les problèmes d'insatisfaction, kwa kuweza kuleta suluhisho kwa kila shida ya kutokutosheleza, le remède à ces problèmes, dawa kwa shida yo, c'est le dialogue d'abord. Inakuwa ni majadiliano kwanza. Le dialogue. Majadiliano. Les couples aujourd'hui, on n'a pas le dialogue. Ndo asiku ya leo tuzungumuze tena. Le diable a volé la clé du dialogue. Shetani aliiba funguo ya majadiliano. Nous commençons à comprendre les choses par le regard. Unaanza asiku ya leo vitu tu kwa kuangalia. Ukiangalia mwanamke basi, "Eh, kusa kupenda ile." Tu regardes la femme, "Eh, peut-être elle n'a pas aimé ça." Mais tu n'as pas parlé. Mais on kusema. Dieu nous a donné la bouche pour parler. Dans le mariage, la grande source de bonheur, c'est le dialogue sans hypocrisie. C'est-à-dire,
Comment l'homme va deviner que tu n'es pas satisfait? Si tu ne le lui dis pas. Comment la femme aussi doit deviner que tu n'es pas satisfait? Si il n'y a pas de dialogue. Alors, quand le dialogue naîtra, vous trouverez les solutions ensemble. Quand ces solutions-là vous chintent, vous approcherez des hommes de Dieu pour qu'ils vous aident. Si c'est par exemple l'insatisfaction sexuelle, je demanderai une autre séance qu'on parle un peu des autres choses-là. L'insatisfaction sexuelle. Comment est-ce qu'on peut les traiter aussi dans le Seigneur? L'insatisfaction, par exemple, matérielle. Les exigences de la femme. Les exigences de l'homme. Écoute, dans le mariage, c'est vrai que nous, les Baporo, je ne sais pas, pour arriver à la satisfaction sexuelle, le monde nous a bourré beaucoup de choses pour y arriver. Ça, c'est selon le monde. Le monde nous a présenté beaucoup de positions sexuelles pour assouvir la soif de l'homme ou de la femme. Ça, c'est selon le monde. Mais c'est selon Dieu, c'est comment on peut s'en sortir. Y a-t-il une position pour satisfaire l'homme, une position sainte? Ils veulent faire introduire les divins là où les divins n'est pas. Mon père spirituel, il ne m'a pas vu, moi, me marier. Baba yangu akiroa kuniona mimi naoa. Il me disait, alikuwa anatuambia, mon fils, mwana wangu, le jour que tu te marieras, siku ambao ta, enlève la Bible dans la chambre. Tosha Biblia ndani ya chumba. Alléluia. Amen. C'était un rabbin. Alikuwa rabba. Il dit, anasema, gardez la Bible au salon. Chunga Biblia. La chambre a sa Bible. Chumba ya kulala ina la chambre yake. A ses versets. Chumba ya kulala ina mashairi zake. Tu veux lire la Bible? Unapenda kusoma Biblia? Quitte la chambre. Toka katika chumba ya kulala. Viens au salon. Uende katika chumba ya kulia. Je ne vais pas toucher aux choses parce que ce n'est pas la séance. Vitu yora, aiko mafundisho. Alléluia. Amen. Maman, la réponse iko tu moya. Jibu ni moja tu. Dialogue. Mujadiliane, muzungumuze. Dialogue. Mazungumzo. Quand dialogue a comme bunyumba, hakuna mazungumzo. Ça donne vraiment beaucoup de problèmes. Inaleta shida nyingi. L'homme peut venir de travail fatigué. Mungu anaume anaweza kuja kwa kazi anachoka sana. Ina cancel envie. Anakuwa tu na hisia moyo. Manger. Akule. Se laver. Anawe. Et se reposer. Na apumzike. Il peut se faire qu'à ce moment-là. Yawezekana kwa saa hiyo. Toi tu as l'envie du besoin sexuel. Unakuwa na haja ya ngono. Et tu viens, tu tentes l'expérience, na, l'homme ne répond pas. Manamke, par respect pour toi, kwa heshima kwako, il se sent fatigué, anasikia anachoka, il n'est pas concentré. Yeye mwenyewe haiko kwenye msimamo. Je vais vous révéler une petite chose. Nitawafunulia kitu fulani. Les scientifiques, wale wa scientifique, ils ont contredit Dieu. Walimupinga Mungu. Écrivez ce que je vais dire. Mwandike ambao nawaambia. Ils ont dit ceci. Walisema hivi. Moïse a fait choisir Dieu lorsqu'il ne fallait pas pour créer la femme. Mungu alimchagua, pardon. Moïse, Musa, dans ses récits, katika kuandika kwake, il a fait choisir à Dieu lorsqu'il ne fallait pas choisir. Alifanya Mungu kuchagua wakati bado ilikuwa haiko ya kuchagua. Pour que la femme soit créée. Ili mwanamke aumbiwe. Ça, c'est dans la théologie là où moi j'ai. Ils ont regardé la structure de l'homme. Hali ya manaume, du côté thorax. Kwa kifua, ils n'ont pas trouvé même les signes de l'opération. Ils disent que la femme n'est pas sortie du côte. Wanasema manaume, manamuke ya kutoka kwenye ubavu. Il n'y a qu'un seul endroit où il y a les signes de l'opération. Kuna fasi moja tu ambako kuna kuwa alama ya kupasuliwa. Les bustres. On appelle ça quoi encore? Pardon? Les testicules. Dans les boustres des testicules, l'homme va dans ta douche. Tu vas regarder que l'igne moi inapitaka pale kwenye baliunga.
Je vous révèle des choses. Ça, ce sont des satanistes qui font les démarches. Mais maintenant, ils se disent ceci. Voilà là où le Seigneur avait tiré l'os pour créer la femme. Dans la science, on nous dit cet os, ça s'appelait Bakulum. 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 Beaucoup de primates et singes en ont. Les primates, les singes. Un singe pour s'accoupler à une femme, ça ne demande pas les caresses pour réveiller son excitation. Quand il en a désir, le bakulum s'engage, se met dans son pénis. Il peut s'accoupler à quatre singes. Ça ne peut que retourner quand il se dit que ça me suffit. Les scientifiques maintenant disent, c'est de cet os que Dieu avait enlevé. Il a créé la femme pour que notre envie va toujours à la recherche de cette femme. Mais pour que l'homme maintenant soit bandé, il faut que la femme spirituellement vienne te toucher pour que cet os reprenne sa place. On va comprendre ça quand peut-être on sera enseigné autrement. Je vais dire pour clôturer, pour dire ceci, que la femme que tu y es, il faudra un dialogue entre toi et l'homme. Chérie, j'ai envie de toi. Est-ce qu'on ne peut pas programmer ça demain parce que tu n'auras pas de résultats meilleurs? Je suis fatigué, l'autre comprend, et vice versa. Souvent plus nous les hommes, c'est comme des militaires. J'ai levé et c'est tout de suite. Même quand la femme dit, mikuna sikia ba ventre, et toi, ça va te guérir. Inatunzaka. Ça guérit. Alléluia. Amen. Est-ce que je peux avoir la dernière question? On a beaucoup de choses à parler. Mais on pourra peut-être aussi travailler en fonction du temps. Shalom. Shalom, maman. Maman Liliane. 15 ans de mariage. J'ai 15 ans de mariage. Je suis contente par les enseignements. Ces enseignements m'édifient. J'avais trois questions. Mais je vais poser seulement une seule. Mwalimu alituambia hivi. L'enseignant nous a dit ceci. Ya kwamba mwanamke atakuwa soumise. Que la femme doit être soumise. Na mwanaume atatoka. Et que l'homme doit quitter. Nilisikia unasema pale. J'ai entendu parler de kisha, ça. Inafika. Mais ça arrive. Munaoana na bwana. Vous mariez avec un homme. Bwana nakwambia tutaenda ikala kwetu. L'homme te dit nous allons rester chez nous. Tunatoka tunaenda ikala kwabo. Nous partons pour rester chez lui. Kule kwabo. Mama njo anaongeaka. C'est maman qui a la monopole, le monopole. Mie sikwake na vya kusema. Moi je n'ai rien à dire. Mina mwambia sasa hivi mimi siishi mzuri. Alors je lui dis comme je suis pas heureuse. Tutoke hapa twende tuikale kwetu. Qu'on quitte pour aller à notre propre maison. Lakini tutakuwa tunafika kunyumba juu huku njo kujama. Nous sommes en train de visiter la famille. Bwana nakwambia. L'homme te dit. Kama hautaitika vile. Kunyumba bunaisha. Nous nous séparons. Sasa mimi nikitoka tu mimi sijisentir à l'aise. Alors si j'ai quitté cet homme pour partir parce que je suis pas à l'aise. Pale mimi nafanya zambi wala siko sumize wala mimi nakosea. Merci beaucoup. Unazambika tena sana. Tu as totalement péché. Unazambika dada. Tu as péché. Réponse tunjo ile unazambika. La réponse est que parce que la Bible dit tu as fait les péchés. Rien que la mort. Biblia nasema isipokuwa tu mauti. Tu sais que la Bible me dit. Ndio Biblia inaniambia. Tout attiso est résolvable. Da yote inapata solution. Alléluia. Amen. Mais il y a aussi une façon de présenter son problème à l'homme. Na lakini kuna kwa hali ya kuonesha shida yako kwa mwanaume.
vous ne savez pas pourquoi l'homme a choisi aussi un peu de rester pour un petit temps à la famille. Peut-être le moyen financier ne répond pas. Pour avoir une maison et subvenir aux besoins aussi de la famille n'est pas égal. L'homme dit, au lieu que je vive les ridicules, je tords la parole de Dieu. J'ai tort. Il rentre encore chez eux. D'abord, rentrer, c'est un problème. Parce que j'ai dit que l'homme doit quitter. Pourquoi j'ai dit ça? J'ai donné les raisons. Quand vous êtes dans la maison familiale, les petits frères s'ingèrent, les parents s'ingèrent. Et tu vas trouver même d'autres couples. C'est ta soeur qui fait les provisions de la maison. La femme, elle est là, étrangère. Elle mange ce que la belle sœur conçoit que son grand frère doit manger. Mais maintenant, pour vous, les cas que vous venez de poser, c'est la manière de poser ton problème. C'est-à-dire, tu tentes pour la première fois, tu trouves la résistance. Pose la question, mais pourquoi on est ici? Que l'homme te fasse comprendre pourquoi vous devez vivre d'abord là-bas. Et si tu trouves que ça ne colle pas avec tes convictions, Dieu t'a donné les genoux. Les genoux nous conduisent là où le cœur de l'homme ne peut pas avoir. Les genoux ouvrent la porte que l'homme peut fermer. Rentre au créateur de cet homme-là. Dis au créateur de cet homme-là. Toi, tu as dit, l'homme doit quitter pour s'unir à moi. Mais voilà là où nous sommes. Jeûne et prie. L'homme n'aime jamais de brutalité. Alors si tu quittes, parce que tu as l'oppression de la famille, là où tu iras ne te marie plus. Alléluia. Amen. Si tu t'es marié, tu es dans l'adultère. Tu es condamné par l'adultère et tu y mourras. La Bible dit que rien ne vous sépare sauf la mort. La dernière question pour terminer. Emma, donnez-moi aussi le temps de rester à côté de ma femme. Emma, Inaïcha, que le Seigneur nous bénisse. La toute dernière, alors, il y a la maman, la toute dernière. J'avais aussi une question. Je suis maman, mamie. Parce que nous avons dû avoir un enseignement dans ta mère, c'est mes parents et tout. C'est pour laisser nos parents. Ça, j'avais dans la liste. La maman vient de poser la question. Si que j'expliquais Mouzouri, on vient de nous enseigner que peut-être nous, les femmes, nous n'avons plus de parents. Nous devons avoir les parents comme les parents de notre mari. Mais maintenant, alors que chaque parent veut s'approprier son enfant et agir dans sa vie. Maintenant, comment cela? Amen, amen. Nilipita tumbali, parce que si je voulais commencer à décrire chaque point, atungemaliza ta quelque chose. Je voulais seulement dire ceci. Dans la pensée de Dieu, la femme n'est pas sortie d'une famille quelconque. La femme est le produit tiré du corps de l'homme.
matunda ambayo litoka ndani ya mwili ya mwanaume. Si je voulais développer ça, kama ningependa kuingia kwenye dini, j'allais dire ceci. Ningesema hivi. Parce que tu es sorti du corps de l'homme. Katika ubavu wa mwanaume. C'est-à-dire que quand l'homme te marie toi, nusema wakati mwanaume anakuoa, directement il marie ton père, nusema anaoa baba yako, il marie ta mère, anaoa mama yako, il marie tes frères, anaoa pia kaka zako. De la même manière qu'il prend soin de toi, anakushughulikia. Si t'entends gémir, kama il t'attend gémir, anasikia una baba, présenter un besoin pour ta famille, haja kwa ajili ya jamaa yako. Directement ça doit les choquer, lazima imguse. Tu dois considérer ça, lazima ikamate na parce que il dit ceci, kwa sababu anasema hivi, tu n'as pas de parents, hauna wazazi, même si tu l'en as, hata kama ungekuwa nao, comme c'est toi, kwa kuwa ni wewe, qui représente une partie de ta famille que tu as, unakuwa sehemu ya jamaa ulikuwa nayo, répondre à ces besoins, lazima. Alors toi maintenant qui es parti, si ni à côté de cet homme, c'est l'homme qui a des parents. Pourquoi je dis ça? Parce qu'en Israël, la famille qui partait mariée, elle amenait tout ce qui est besoin nécessaire pour que cette famille aussi se relève. Je reprends. Les dots qui étaient présentés, Daniel Azawak, puisque c'est lui qui est une Bible vivante. Mon frère, j'ai béni le Seigneur pour toi. Nabariki Mungu kwa ajili yako. Parce que toi, tu es une Bible, Bible vivante. Biblia ambayo unaishi. Écoutez. Sikia. Tu as en tête le nombre de bœufs, d'animaux que Abraham avait donné à Isaac pour aller marier. Unakuwa na idadi ya mangombe na mambuzi ambayo Abraham alipatia Isaac aende kwa. Ou bien le verset. Je sais d'abord que l'histoire de la dot d'Isaac est dans Genèse 24, tous les chapitres. Alors là, on dit qu'en quittant, Eliezer était parti avec 10 chameaux chargés de l'or et de plusieurs objets précieux. Vous entendez? 10 chameaux chargés de l'or et des objets précieux. Écoutez encore la pensée de Dieu. Quand Abraham a dit, va chercher la femme. Va dans mon village. Pourquoi? Parce que ils avaient le même Dieu, les mêmes craintes de Dieu. Et deuxièmement, il se dit ceci. Eliezer, quand il partait, il dit, c'est lui qui va faire boire les troupeaux que j'ai conduits. Ça sera un signe pour attester et celle-là, c'est la femme de mon maître. Pourquoi ça? Parce que cette femme devrait avoir les qualités de l'aide du bien que l'homme a. Parce que quelqu'un comprend. Comme le papa d'Abraham était riche en bétail, le travail le plus fatigant c'était de chercher de l'eau pour ses bétails. Le travail le plus fatigant. C'était faire boire ses bétails. Et quand il partait, il a vu une femme qui est venue, qui commençait à faire boire. L'homme a demandé de l'eau. Sa prière était si elle faisait boire. C'est-à-dire quoi? Si elle sera à mesure de compléter cet homme sur qui son père a mis beaucoup de bétail, de têtes de bétail. Et la vie est ainsi. Un signe qui montre que c'est vraiment une aide. Donc à votre réponse, j'ajoute ceci. Que comme mina sema, la femme n'a pas de famille. Parce que je dis que mwanamke hana jamaa. C'est pour juste, c'est quelque chose que ni jetons ni l'utopie à Kubanaume. Ça, c'est un jeton que jetait pour les hommes. N'attendez pas que la femme vienne te dire. Usingoje mwanamke akikwambia. Bona kwetu banalala njala. Chez nous, ils sont enfamés. Quand tu résous les problèmes de chez vous, wakati unapana solution kwa résolvez aussi les problèmes de l'autre. Na pia ulete solution kwa jamaa ya mke wako. N'attendez pas qu'elle te le demande. Usingoje mwanamke akulombe. N'attendez pas. Usingoje. Faites même des surprises que elle ne sait, c'est toi qui l'informe, maman est malade. Wende kufanya surprise ata kwa jamaa ya mke wako. On doit aller la faire soigner.
Parce qu'elle n'a pas de famille. C'est une expression. Alléluia. Amen. Voilà. Il y a la toute dernière, c'est Mouze Chiemba. Papa Amisi. Mouze, Ujikaze, Anakazo. Vous partez Mouze, papa Amisi, après, tu t'appartiens à l'archibishop. Mouze Chiemba. Papa Amisi Moro, puis. Amen. Pasteur, question à mon étafta ou Lisa. Ma question est celle-ci. Juleo, tu ko presque excusa moucho à Duni. Nous sommes presque à la fin. Nasikuza dunia pieje kwa ya mingi sana. Parapor na predikasyo litufundisha mchano lisema kanisa isha kwa infiltre. Kanisa ka kwa infiltre, manake fwae na kwa infiltre. Amen. Fwae ki kwa infiltre. Juu Biblia mina inasema siku za mwisho, mutakuwa bawili, umwana nyakuliwa, mwingine anabaki. Manake mwalibakia alikuwa infiltre mfwae yako. Sasa question ya kwanza, est-ce que mariage yote iko béni par Dieu? Iko accepté par Dieu? Deuxième mariage, deuxième question. Utakuta mafoye unakuya juu ile mariage haikuwa accepté par Dieu, mais par rapport na volonté ya mutu na désir ya mutu unafanya ile mariage nafanyika. Loko mariage mingi nafanyika par intérêt. Fia napiga calcul, nikaolewa kule ndakuwa hivi. Garso anapiga calcul, nikaoa kule ndakuwa hivi. Mais mwile mariage unakuta ya trop de problèmes. Siko mingi sana. Nikaanza kuinimere ma, par exemple, mes exemples niko nayo. Siko za mingi sana. Mena quelle solution mtu anaweza fanya juu analisha kwa mwile mariage? Pigie kwanza hii question swali iko vraiment important. Je ne sais pas comment mon affaire. Ndugu wangu kwa nasema na voix ya chini. Mon frère parlait avec une voix. Elle a posé une question très importante. Pose une question très importante. Est-ce que mariage yote? Est-ce que tout le mariage iko béni et accepté par Dieu? Ni accepté par Dieu? Elle a pas nous sur la réponse. Il donne encore la moitié de la réponse en disant. La Bible dit. Bien nasema, mon Matthieu, dans Matthieu, que le temps de l'enlèvement, être enlevé, soit la femme reste. Si la femme restait, c'est que le mariage il quoi infiltré. Puisqu'il faudra que les deux soient enlevés parce que beaucoup un seul corps. Ça c'est une question très intelligente. Alléluia. J'ai commencé au début par dire le monde définit le mariage comme l'union de deux personnes. C'est comme ça que Nilianzia, non? C'est là que je commence. Que le monde dit qu'on a défini le mariage comme union de deux personnes. Alors dans l'union de deux personnes, le monde n'est pas mal. Il n'a pas ni sexe opposé, même sexe. Kama tatu dictionnaire yako utasikia tu banasema vile. Kwa kamusi yako inasema hivyo. Déjà muzungu alikuwa prévoyant. Muzungu avait prévu. C'est comme le fils ou l'enfant de chi. C'est un prévoyant. Alors, je vais dire. Mtasema. L'homme de Dieu dit ceci. Mtu Mungu anasema. Si le mariage yote inekalaka béni est accepté par Dieu. Kama ndoa yote inakubalika na inabarikiwa na Mungu hapana. Pour que le mariage. Ili ndoa. Ikwe. Selon les seigneurs, nous avons des types. Le mariage que le monde bénit, parce que toi on est tous les terres. Parce que toi tu nous amènes. Nous acceptons. Tu nous bénir le mariage. Nous bénissons ce mariage. Vous allez vivre votre vie de couple. Mais il y a le mariage que l'église doit. Oui. Quand on parle de l'église, j'ai dit toi et moi, chrétiens que nous sommes, oui, oui, si c'est le mariage des personnes qui sont chrétiens, comme une doua ya watu walio wa Kristo, papa Amisi, papa Moro, le problème c'est l'origine ya chrétienté. Shida ni china ya ukristo wetu. Quand je trouve que miko chrétien, si je me trouve que je suis chrétien, donc je ne vais pas me marier par intérêt.
Quand je trouve que miko chrétien, si je me trouve que je suis chrétien, je ne peux pas me marier par la beauté physique. Si je kuoa tu kwa uzuri wa sura. Avant de me marier, j'ai prié. Kabla sijaoa niliomba. Avant de me marier, j'ai observé. Nilitazama. Est-ce que mutu mwenye mimi nataka kukamata mwanaume bien mwanamke? Je vais prendre femme homme. Anatoka mu village yangu. Viens dans mon village. C'est ce que je venais de dire. Quand je parle de village, wakati nasema kuhusu kijiji yangu si ongwesha. Quand je parle de village, kijiji, est-ce qu'il sort de la même parole que moi? Je anatoka katika neno moja sawa. Est-ce qu'il a le même valeur spirituelle que moi? Anakuwa na samani ya Kikristo. Ya kiroho kama mimi. Mwanamke. C'est possible père avec cette femme. Eko na ile retard ya compréhension, c'est tout à fait normal. Anakuwa na kutokuelewa haraka. Parce que toi, tu vas l'apprendre. Sababu wewe utamfunza. Il y a un verset qui me vient en tête. Prenons 1 Corinthiens chapitre 7. Wa Korinto wa kwanza sura ya 7. Muzee atezi kutukamatilia 1 Corinthiens, nimalizie tu pale. Wa Korinto wa kwanza. Usikie Bible nasema hivi. Wa Korinto wa kwanza sura ya 7. Benye banafanya mariage. C'est là qu'ils font le mariage. Vous vous retrouvez. Nakutana. Ça, je m'assume et je le dis haut la chair. Ah, pamina, parce que c'est la Bible qui me le dit. Kwa sababu ni Biblia ndio inaniambia. Mzee, utaweza kutoka Matilia? 1 Corinthiens chapitre 7. Wa Korinto wa kwanza sura 7. Question de mariage. Paul est en train de répondre. Ndo Paulo yuko anajibu. Je n'ai pas le verset tout à coup comme ça. Mais tukisoma, je sais que je vais tomber sur ce verset. Tukisoma, je vais me retrouver. Quelqu'un a pris ça? Ça dit sur les questions de mariage. C'est à partir du premier verset. Pardon? C'est à partir du premier verset. À partir du premier verset. Oui. Vous pouvez lire déjà en descendant. Pour ce qui concerne les choses dont vous m'avez écrit. Papa Moro, ou quoi n'as fatilia? Oui. Suivez Papa Moro. Je pense qu'il est bon pour l'homme de ne point toucher des femmes. Toutefois, pour éviter l'impudicité. Que chacun ait sa femme et que chaque femme ait son mari. Que le mari rende à sa femme ce qu'il lui doit et que la femme agisse de même envers son mari. La femme n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est le mari. Et pareillement, le mari n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est la femme. Ne vous privez point l'un de l'autre. Si ce n'est d'un commun accord pour un temps afin de vaquer à la prière, puis retourner ensemble de peur que Satan ne vous tente par votre incontinence. Je dis cela pas condescendance. Je dis cela par condescendance. Vous pouvez sauter le verset 10. Verset 10. À ceux qui sont mariés, j'ordonne. Non pas moi, mais le Seigneur. Que la femme ne se sépare point de son mari. Amen. 11. Si elle est séparée, qu'elle demeure sans se marier ou qu'elle se réconcilie avec son mari. Et que le mari ne répudie point sa femme. Verset 12. Aux autres, ce n'est pas le Seigneur. C'est moi qui dis. Si un frère a une femme non croyante. Papa Moro, celui qui est en train de parler, c'est Paul. Il dit, ce n'est pas le Seigneur. Mais maintenant, c'est moi, Paul, qui dis. Comme il a engagé Dieu, on a écrit ces choses. C'est pour juste nous donner qu'il t'aise que tu fiquilies. Ça peut nous arriver. Mais regarde la solution que cet homme a donnée. Si un frère a une femme non croyante et qu'elle consente à habiter avec lui, qu'il ne la répudie point. Et si une femme a un mari non croyant et qu'il consente à habiter avec elle, qu'elle ne répudie point son mari. 14. Car les maris non croyants. Car le mari non croyant est sanctifié par la femme et la femme non croyante est sanctifiée par le frère. Autrement, vos enfants seraient impurs, tandis que maintenant ils sont saints. 15. Et le non croyant, si le non croyant se sépare, qu'il se sépare. Le frère ou la sœur
ne sont pas liés dans ce cas-là. Alléluia. Amen. Mina Rudilia, c'est combien? C'est 15. 15. Tu Rudilis, mon frère? Si le non-croyant se sépare, qu'il se sépare. Le frère ou la sœur ne sont pas liés dans ce cas-là. Dieu nous a appelés à vivre en paix. Mina Katala débat. Je refuse un débat. Alléluia. Amen. Et qu'il y a un débat. Sont dans un débat, dans un il débat. Il fallait battre ma doctrine, ma musée, ils viennent tout court à Patuneka. Il faudrait que les anciens, ils vont soient là, ceux écoutez qui sont ce qu'il de dit. Qui comme le papa a soulevé cette question. Pourquoi si nous sommes enfants de Dieu, je donne raison à notre bishop qui a dit je ne veux pas un frère d'aller chercher une sœur du dehors. Une païenne me l'amène ici pour faire le mariage. Parce qu'il est mariage, hein? Il n'est qu'à la guetter na divorce. C'est vraiment dans la visière des Paul maintenant dit, ce n'est pas le Seigneur, mais c'est moi. Vous remarquez que la femme ou bien l'homme est un païen. Il dit si tu te consens de quitter. Il dit, tu n'es pas lié parce que ton salut est nécessaire. Alléluia. Amen. Mina chayo ibake itulume, je laisse que cela nous chagrine pour que vous puissiez me chercher prochainement.